locales vous sont présentées par le riz Bistro Express d'Uncle Ben's. Délicieux et prêt en 2 minutes au micro-ondes. Minute de l'heure. Bienvenue à l'antenne de Météo Média. C'est l'heure de votre bulletin de nouvelles. Donc, tout d'abord, le nord-est des États-Unis s'est réveillé ce matin sous un épais manteau de neige, privant d'électricité des dizaines de milliers de personnes et perturbant le trafic aérien de Washington à Boston. À New York, près de 70 cm de neige ont été mesurés à Central Park, la chute de neige la plus importante enregistrée dans la Grosse Pomme, battant ainsi le record de décembre 1947 où 66 cm de neige étaient tombés. C'est le chiffre le plus élevé depuis le début du prélèvement des données dans la ville en 1869. Le maire Michael Bloomberg a fortement suggéré à la population de demeurer à la maison, tandis que 2500 chasse-neige et saleuses se mettaient à l'œuvre dans la ville. Cette tempête, accompagnée de vents violents, vient interrompre un hiver plutôt doux, alors que l'on venait d'enregistrer le mois de janvier le plus doux de l'histoire des États-Unis. La neige tombait de la région de la Virginie jusqu'au Maine et plus de 80 000 personnes ont été privées d'électricité dans le Maryland. D'autres pannes étaient signalées dans New Jersey, le Connecticut et l'on craignait des inondations le long des côtes en raison des forts vents. Dans les aéroports new-yorkais de LaGuardia, la plupart des vols ont été annulés, tandis que du côté des aéroports Kennedy et Newark, on dénombrait des centaines d'autres vols reportés et ce, au moins jusqu'à lundi. Le tout remonte maintenant vers les Maritimes, où l'on attend jusqu'à lundi matin de 15 à 25 cm de neige, accompagné d'un fort vent.